Oh, tête, mes sœurs et frères, je voudrais tout d'abord remercier cette belle initiative de Africa News. Mon nom d'artiste est Black Jack Le Groove et bientôt rebaptisé en Yanchi Kuti pour revenir à la cosmogonie, à la création, à la tradition ancestrale. Voilà, je vis à Paris, je suis un kamite parisien. Je suis un slasher artistique. Cela veut dire tout simplement que je cumule plusieurs activités dans le domaine artistique. Je suis musicien, photographe, community manager, auteur. Voici mon premier disque qui est sorti au milieu des années 90. Mon premier livre est sorti en 2009 aux éditions Kinia. C'était un pamphlet artistico, médiatico et politique. Le premier livre issu d'un blog ici en France qui s'appelle « À Moufdé, on se calme » qui est sorti aux éditions Kinia. En ce moment, nous avons manifesté tous contre les tueries de nos frères et sœurs. Mais moi, je l'ai fait autrement avec ce livre « À Moufdé, on se calme » pendant 4 ans. C'était mes humeurs que je mettais sur mon blog pour dénoncer aussi le mépris que les médias avaient pour nous. Mon deuxième livre est un récit mot pour mot, qui s'appelle « Grill, rencontre et audition », sorti en 2018 chez KDP, Kindle Direct Publishing, chez Amazon. Mon troisième livre est un beau livre, qui est sorti la même année, 2018. Un livre sur la Guadeloupe, un beau livre donc, qui contient plus de 300 pages et plus de 150 photographies avec un coffret. Voilà le livre. Il pèse 2,8 kg. Notre nouveau projet concerne les cheveux naturels. Tout d'abord, mes frères et sœurs, écoutez, si le premier homme n'avait pas quitté l'Afrique, le reste de l'humanité serait désert et tout le monde vivrait en Afrique et serait noir. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. L'Afrique est donc naturellement le berceau de notre humanité. Le berceau du sapiens sapiens, d'où qu'il vienne. L'Afrique, c'est le continent où naquit le plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop, qui a démontré devant les scientifiques du monde entier, qui les a ridiculisés en démontrant que le premier homme venait d'Afrique. Scientifiquement, pas théoriquement, scientifiquement. Donc, je demande à toutes mes sœurs, à tous mes frères d'Afrique, d'instaurer la Cheikh Anta Diop Day, C-A-D-D, le jour de Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que chaque année, on doit avoir un jour férié pour le professeur Cheikh Anta Diop. L'Afrique, c'est le continent de la joie et de la bonne humeur. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce ne sont pas des postures négatives. Être en joie et être de bonne humeur permet aux substances qui constituent notre être de dégager des hommes positifs, d'émerveiller et d'évoluer en lieu et place de l'involution, de la mauvaise humeur et de la laideur. L'Afrique donc est par conséquent le continent de la joie et de la bonne humeur.
L'Afrique, c'est le continent qui regorge de presque toutes les ressources minières de ce monde. L'Afrique est donc, par ricochet, le continent le plus riche de cette planète en ressources. L'Afrique, dans 50 ans, 2 milliards d'habitants. L'Afrique sera donc le continent le plus peuplé de cette planète. L'Afrique, c'est la misère. Mais la misère imposée et non incrée. Imposée par les supplétifs, ceux qui gouvernent notre cher continent. L'Afrique, pour finir, c'est un nom emprunté. Le mot Africa n'est pas le nom d'origine de notre terre. Donc nous devons rebaptiser l'Afrique en Kemet. Kemet, et nous sommes tous des Kemchou, vous et moi. Je profite donc de cette occasion, mes sœurs et frères, pour vous demander de faire une pétition pour la rebaptisation de Kemet. Le nom africain est un nom d'esclavagiste qui n'a absolument rien à voir avec nous. L'Afrique, c'est le continent où tout le monde va faire ses expériences maléfiques. Mais sachez, mes sœurs et frères, que malgré tout ce que nous subissons, nous ne serons jamais éradiqués. Tout simplement parce que nous avons été les premiers révélés par le démiurge à Toumré. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité. L'Afrique, c'est la composante de l'Énéade. L'Énéade, les 9 premières divinités qui ont conçu notre tradition depuis l'origine première. L'Énéade d'Héliapolis, composée des 9 plus grandes divinités que le démiurge nous a cédées. Tefnout, l'humidité. Chou, l'air. Geb, la terre. Nous, le ciel. Ou l'inverse. Qui ont enfanté les 5 frères et sœurs jumeaux qui sont nés lors des jours épagomènes. Il s'agit donc de Osiris, seigneur de la réincarnation. De Horus, le grand, l'homme faucon. De Seth, le chaos. De Isis, la déesse de l'initiation. Et de Nephthys, la femme du château. Mes frères et sœurs, ainsi va le monde grâce à ces divinités. Donc l'Afrique, c'est ça. Nous devons rester concentrés sur notre tradition. Nous devons rester concentrés sur notre savoir-faire originel. Nous devons revenir à l'essence, à nos ancêtres. Et nous devons éviter les religions dites révélées pour nous reconstruire, pour se réapproprier nos paradigmes initiaux. L'Afrique, c'est la surprise du 21e siècle. Oh, tête, mes sœurs et frères! Une chanson que j'ai écrite et que je dédie à l'un des tout premier peuple d'Afrique, de Kemet. Cela s'appelle le message des pygmées. A cappella. Ils chantent et dansent quand ils veulent. La vie est toujours belle. Autant l'hiver, pour eux c'est pareil. Il y a toujours le soleil. Ils chantent et dansent quand ils veulent. La vie est toujours plus belle, belle, belle. Autant l'hiver,
pour séparer, il y a toujours le soleil. On m'appelle Black Jack, je suis Black and Proud. J'annonce la couleur, j'espère que vous suivez. Je vous donne la première du rap des pays des pygmées. C'est leur histoire, j'espère que vous pigez. Ce sont des personnes de petite taille qui vivent de la chasse en Afrique centrale. Ils vivent dans leur forêt, n'ont pas de problème. Ils se comprennent tous, ils ont un seul système. Ils chantent, dansent, mangent quand ils veulent. Ils crient, ils rient, la vie est toujours belle. Black, noir, négro, macaque et corona. Pour eux, tout ça, c'est du charabia. Police, carte de séjour et passeport. Les pygmées ne connaissent pas ça. Ils vivent dans leur forêt. Et c'est leur confort, ils se comprennent tous et parlent de chacun pour soi. Amour, liberté, fraternité et paix, c'est le message des pygmées. Et que cesse la guerre, la misère et la faim. Arrêtez de vous entretuer tous en vain dans ce monde où il n'y a ni foi ni loi. Stop à toutes les misères et plus de joie. Amour, liberté, fraternité et paix, c'est le message des pygmées. Hey, 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 hey. Well, I want to be a pygmée. Oh, 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 oh. Et voilà ma tape pygmée. Yeah, 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 yeah.